J'en sais rien, mais j'espère très fort. J'en sais rien, mais j'espère très fort. Mon compteur d'abonnés va exploser. Compteur d'abonnés va exploser. 1, 2, 3, 4. Concentre-toi. Allez! Bonjour, bonsoir à tous. Je me présente en tant que capitaine de la team des Mighty Ducks de YouTube. Je suis fier, moi, d'être un duck. Et je serais fier de voler avec chacun de mes abonnés. À vous maintenant, qui est un duck? Dans le film Les Mighty Ducks, le message transmis, c'est qu'il y a toujours des leaders qui vont dire « Moi, j'en suis un » et tous les autres vont suivre après. Mais attention, il ne suffit pas de porter la tenue des ducks pour être un vrai duck. Comprendra qui pourra. Quand tu étais enfant, tu aimais jouer. Tu passais tout ton temps dehors à jouer jusqu'à ce que tes parents te rappellent. C'est avec ce même esprit qu'il faut travailler sur ces projets. Aime ce que tu fais et fais-le avec passion. Parfois, une décision peut changer toute une vie. C'est comme ça dans le sport, c'est comme ça dans la vie. Quand la vie t'offre une opportunité, une vraie chance de réussir tes rêves, ne laisse pas passer ta chance et saisis-la. Ça sera peut-être la seule. Je ne veux pas passer ma vie à faire des petits boulots. Bien sûr, il n'y a pas de sous-métier. Mais je veux quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand. Gagner, c'est bien, mais il faut d'abord apprendre à être franc et fair-play. Où que tu sois dans le monde, n'oublie jamais ta maison, n'oublie jamais d'où tu viens. Alors je sais qu'en France, le hockey est beaucoup moins populaire que le football. Mais moi, j'ai toujours détesté le foot. Mais quand vous allez aux États-Unis ou au Canada, les lacs sont gelés, les enfants vont patiner sur les bassins, et c'est un petit peu chez eux comme une tradition. Moi, quand j'aime quelque chose, c'est pas parce que c'est la mode, c'est parce que j'aime ça. C'est parce que j'aime ce truc, tout simplement. Pour bien réussir ses rêves, il faut une chose primordiale avant tout. La confiance en soi. Si vous devez retenir une chose, retenez ceci. C'est facile d'être confiant quand on contrôle le palais. Mais c'est encore plus dur de garder cette confiance lors des épreuves que la vie met sur votre chemin. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et c'est en acquérant cette confiance que vous arriverez à affronter le jeu, même si le palais est dans l'autre camp. C'est ainsi qu'il faut affronter le jeu, c'est ainsi qu'il faut affronter la vie, même si vous croyez ne rien contrôler du tout. Et là, vous pourrez avoir une vraie défense. Magnifique speech du coach Orion, n'est-ce pas? Bah oui, je vous mentirais si je vous disais que ces mots viennent de moi. Mais ce sont des mots qui m'ont appris quelque chose, car c'est ainsi qu'il faut affronter la vie. Et c'est ainsi qu'il faut affronter YouTube. Pour moi, les Mighty Ducks ont vraiment marqué mon enfance, ma génération. Pour moi, ces trois films sont une leçon de vie. Car ils passent un message fort. Et même encore plus fort qu'une vidéo de motivation. Franchement, si vous n'avez pas vu ces trois films, franchement, je vous invite à aller les regarder. À votre avis, pourquoi les gens aiment les sports d'équipe? C'est parce que les joueurs doivent s'unir comme des frères pour gagner. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. YouTube me retire des vues, des abonnés, des likes, mais pas ce qu'il signifie. Comprendra qui pourra. Si vous voulez avoir une chance, il faut travailler. Les gens qui réussissent, ils ne marqueront pas au premier tir, mais au second et au troisième. Alors si vous voulez gagner, il faut que vous appreniez à faire le ménage. Faire le ménage dans vos fréquentations. Faire le ménage dans vos vies. Vous voyez? C'est ça la différence entre moi et les trolls. Les trolls ne savent jamais ce qu'il y a dans ma tête. Alors que moi, je connais toute la merde qu'il y a dans la leur. La fierté, ça n'est pas de répondre aux trolls. Des matchs comme ça, j'en ai fait plein. Je sais ce que vous ressentez. J'aurais voulu bousiller tous les gens qui m'ont diffamé. J'aurais vraiment voulu flinguer tous ces trolls. J'aurais vraiment voulu flinguer tous ces trolls pour ce qu'ils m'ont fait. À cause d'eux, j'ai perdu mon travail. Et ma réputation était foutue. La vie, c'est un petit peu comme sur la route. On peut avoir un ou plusieurs accidents, mais il faut toujours se relever pour se battre et aller de l'avant. Mais si je m'étais abaissé à leur niveau, j'aurais perdu bien plus que mon travail et ma réputation. On n'est pas là pour se battre sur Internet.
On n'est pas là pour se clasher. On est là pour créer du contenu. On est là pour montrer nos talents. Nous représentons notre pays. Nous représentons le citoyen du monde. Internet est le reflet de la société. Internet est le reflet de la société d'aujourd'hui. Et nous devons montrer le bon exemple à nos frères et à nos sœurs dans l'humanité. Faisons en sorte que les mentalités changent. Et c'est à nous de faire changer ce reflet qu'est Internet. Internet n'est qu'un miroir, ne l'oubliez pas. Et oui, le monde est tel qu'on le fabrique. Alors si moi j'ai changé, que certains d'entre vous ont changé, on peut tous arriver à changer. Nous ne sommes pas des trolls ni des diffamateurs. Alors même si on doit paraître ridicule, nous devons rester nous-mêmes. Les trolls, on va les frapper là où ça fait le plus mal, en les ignorant et en leur montrant que ça ne nous atteint pas. Il est important de ne pas oublier son passé. Parce qu'un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Je crois que c'est valable aussi pour chacun d'entre nous. Un homme ou une femme qui oublie son histoire, quelle qu'elle soit, est condamné à la revivre. Toi, comment t'appelles-tu ? Tu es d'où ? Toi ? Tu es d'où ? Toi ? Nous venons des quatre coins du monde. Nous nous sommes tous réunis, ici, et pourquoi ? Parce que nous sommes les Ducks de YouTube. Et les Ducks volent ensemble. Ducks fly together. Et même quand on pense qu'ils vont se séparer, Ducks fly together. Et quand les trolls vous disent femme, Ducks fly together. Et quand tout le monde dit c'est impossible, les Ducks volent ensemble. Ducks fly together. Aussi, je voudrais dédier cette vidéo à mon ami Benoît, qui était un petit peu comme ma conscience, mon ange gardien. Il me regarde sûrement de là-haut, et j'aimerais qu'il soit fier de moi. Je tenais aussi à remercier le coach Bombay, qui se reconnaîtra dans cette vidéo. Petite dédicace à toi. Et donc il n'est pas question que j'abandonne. Souviens-toi, ne baisse jamais la tête ni les bras. Ah oui, une dernière chose, avant tout éclate-toi.